au travers du baromètre de l'entrepreneuriat au féminin que nous avons lancé pour cette troisième édition cette année, nous avons souhaité interroger donc plus de 700 personnes, hommes et femmes, pour connaître quelles étaient notamment les relations des hommes et des femmes à l'accompagnement. La première découverte a été de constater que seulement une personne sur deux se faisait une idée de l'accompagnement. Donc je pense que nous avons encore un gros travail à faire, notamment au niveau des réseaux d'accompagnement, mais aussi par rapport aux banquiers, pour informer sur les typologies d'accompagnement qui peuvent être mis à la disposition des porteurs de projets. Le deuxième élément qui nous a extrêmement rassurés en tant que banquiers, c'est de faire le constat finalement que les femmes disent qu'elles ont le sentiment d'être bien accompagnées par leurs banquiers et que plus de 50% d'entre elles estiment pouvoir disposer des financements qu'elles souhaitent. Donc c'est un élément qui nous a rassurés parce que nous souhaitons, nous, bien évidemment, financer les projets qui en valent la peine, que ce soit des hommes ou des femmes qui le présentent.